Jodia, c'est mardi 31 mai. Le viol de Dina, c'est thème que nous allons développer ensemble jodia. Bien avant même que nous entrions dans la portion d'étude là, on prie bon Dieu. C'est pour ton béni, c'est pour ton loué, c'est pour ton exalté de maintenant et pour toute l'éternité, papa nous qui est dans le ciel là. Maintenant, c'est l'heure pour nous capables d'étudier parole, nous demandons que nous capables avec nous au Père pour nous comprendre et mettre en application parole sérieux. Fais grâce ton bagage mérite, mais nous prions dans nos Jésus. Amen. Moi, chers les amis, mais m'espérer avec Jésus en forme et c'est un plaisir encore jeudi à pour nous capables ensemble. Nan et petit causé nous gagner concernant étude en parole, bon Dieu ya. Et pas oublier chaque fois fin étudier, moi toujours encourager pour partager les leçons avec entourage pour faciliter plus monde arriver étudier leçon école du sabbat. Sou pas de quoi abonner m'a beaucoup vite à faire ça et encourager l'autre monde. Faire même gens ensemble avec vous. Ce matin, nous dans leçon 10, Jacob Israël. Verset à mémoriser, Genèse 32, verset 28. Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Genèse 32, verset 28, qui c'est verset nous gagnons pour nous mémoriser ensemble pendant toute semaine. Le viol de Dina, c'est un thème que nous allons développer ensemble jeudi. Maintenant que Jacob nous a réconcilié ensemble avec Fréli, il te voulait installer dans le pays de Canaan en paix, en toute tranquillité, sans qu'il n'y ait pas de problème avec le monde. Le mot Shalem, qui c'est saint et sauf, dans Genèse 33, verset 18, qui vient du mot Shalom, qui veut dire la paix, et bien, il est caractérisé pour la première fois et bien voyage que Jacob lui-même nous avons entrepris. C'est-à-dire, nous avons l'œil de Jacob qui avons fait un voyage, mais fois ça, c'est dans la paix, c'est pas dans l'inquiétude. Après qu'elle définit acheter un terrain, dans même monde et si chez mieux, il était dressé un hôtel, il était manifesté foi lui, et il était prend conscience de dépendance lui envers bon Dieu. Pour chaque sacrifice, il était offert. Eh bien, c'était un acte d'adoration qu'elle dit. Pourtant, pour la première fois dans la ville, Jacob, qui s'est bon, qui n'a pas changé en Israël, il était exposé avec difficulté pour être installé dans le pays Canaan. Comme Isaac, il a même difficulté ça à Gera avec Abimelech. Jacob a tenté de trouver un arrangement ensemble avec Canaanien. Mais qu'on a là, nous allons lire une histoire qui est assez intéressante. Dans Genèse 34, nous ne regardons pas ce qui arrivait, qui était contrarié au projet d'une existence qui était paisible. On allait ensemble dans Genèse 34, nous parlons d'une belle histoire et nous parlons de qui est arrivé, qui était contrarié au projet d'une existence qui était paraît paisible. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'il apprit la chose, ses hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob. Ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Allez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une faute d'eau et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi pour femme la jeune fille.
Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur, et leur dirent: c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons pas à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncis, nous prendrons notre fille et nous en irons. Leur parole eut l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville et ils parlaient ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple, qu'à la condition que tout mâle parmi vous soit circoncis comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement les conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutaient Hamor et Sichem, son fils, et tous les mâles se firent circoncis. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'il était souffrant, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée à mort et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes qui étaient dans la ville et qui étaient dans les champs. Ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et les femmes et tous ceux qui se trouvaient dans les maisons. Et Jacob dit à Siméon et à Lévi: vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phéréziens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi et ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Ils répondirent: traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Eh bien, nous voyons à travers l'histoire ça, eh bien, comment messieurs ont utilisé ruse pour qu'ils soient capables de tuer tout le monde qui était habité, eh bien, à Sichem. Eh bien, histoire soit dit ça, il mettait en lumière l'ambiguïté des personnages et leurs actes. Les montrer nous, moun yo avec toute photo, toute action qu'ils ont même bien posé. Sichem, nous voyons les violer Dina. Mais la et Bible a montré nous également que monsieur, il était remé Dina tout bon. Il était sincère, il était amoureux de Dina. Et comme quelqu'un qui veut tenter de se faire pardonner. C'est-à-dire, il était présenté, non seulement, nous, il remé Dina tout bon, malgré qu'il était violé, mais il remé tout bon. Et nous, il était venu pour être capable de réparer ça, il était fait. Il était venu demander pardon. Et il était même prêt pour capable subir rite alliance. Eh bien, et petit Jacob, qui sait ça, nous, la circoncision. Pendant ce temps-là, Siméon et Lévi eux-mêmes, qui présentaient comme défenseurs de Dieu, c'est-à-dire les gens qui connaissent le commandement de Dieu, qui résistaient avec ça nous les mariages mixtes avec Cananéen, c'est-à-dire qu'ils pas de eh bien, ceux qui ont remis ensemble avec Cananéen parce que eux-mêmes, ils connaissent bon Dieu, pas d'accord ça. Mais nous, malgré ça, monsieur Sayo, ils ont utilisé mensonges, ils ont utilisé tromperie, et ils ont été prêts pour tout et pour qu'il puisse piller, malgré qu'il puisse défendre les commandements de Dieu. Eh bien, l'action de M. Sao était non seulement répréhensible, mais il était risqué potentiellement d'entraîner davantage de problèmes encore. C'est-à-dire, l'action que M. Sao a fait, il était capable de causer gros problèmes ensemble avec Jacob. Quant à Jacob lui-même, c'est la paix qui intéresse. Pas le bail qui intéresse. Il a dit qu'il a violé Dina, ça ne dit rien. Cependant, après qu'il finit d'entendre que monsieur yo a fait toute massacre ça, et bien tout et tout garçon mal à Sichem et broter tout ça mon noté gagne
comme richesse, eh bien, il était considéré ça comme malheur que monsieur a attiré sur lui. Eh bien, il a dit, il n'a pas gagné un pile garçon, eh bien, et par rapport avec ça, monsieur a fait, il a rassemblé, eh bien, l'autre peuple contre lui-même, et il va le disperser, il va le tuer lui-même, ensemble avec toute la caille. Et nous, monsieur, te dit, est-ce que nous sommes capables d'accord? Eh bien, pour Sichem, tu es traité ce noir, eh bien, ton coup, il est prostitué. Eh bien, nous, histoire ça, il montre nous, eh bien, même monde qui a défendu bon Dieu, même monde qui a parlé du commandement bon Dieu, parfois, il fait des actions qui ne sont pas dans la volonté bon Dieu. Ça montre nous, et la faiblesse humaine, ou bien la nature humaine, nous, et Sichem, il commet une action qui n'est pas bon. Certes, mais il était médina tout bon. Et il était prêt pour te accepter tout ça, monsieur, te dit, dans façon, non seulement pour te excuser auprès de Dina, pour monsieur te pardonner, et pour que lui-même était capable de faire vie ensemble avec Dina. Et nous, monsieur, ça, en parlant de Lévi et Siméon, qui sont des défenseurs de la loi de Dieu, qui pas d'accord que ce soit marié avec étranger, mais nous, monsieur, ça, pour être capable de faire justice de ça, si Shem te fait ce soit, nous, il était utilisé ruse, c'est-à-dire tromperie, mensonge. Et bien, yo touye, yo pillé pour être capable de venger et bien et ceux yo malgré yo même yo croit dans la parole bon Dieu. Et nous et Jacob lui-même, il était voulait vivre en paix. Et bien et viol Dina n'a pas intéressé, ça pas fait impact sur lui, mais ça qui t'a fait impact sur lui, et bien c'est crime que monsieur même t'a commettre. C'est-à-dire nous la Bible pas caché rien pour nous. Et ça montre nous-mêmes à chaque fois nous avons possibilité pour nous apprendre de monde qui dans la Bible là. On n'a pas appris ça qui pas bon. Nous, oui, monsieur, certes, il était soucié de ce yoa, mais il était gagné ça qui pas bon la caillou. Il n'est pas d'accord que ce yoa lui-même l'a marié avec, eh bien, étranger, mais il même tout, nous, comment il utilisait mensonge, tromperie, comment il touillait, eh bien, mon yo pour être capable de venger, eh bien, ce yoa. Ça montre nous, eh bien, moi, ensemble avec vous, en tant que chrétien, nous sommes très prudents. Pendant que nous-mêmes, nous défendons la loi de Dieu, eh bien, il faut que nous soyons capables de veiller sur quoi nous. Pour nous pas faire un autre bagaille qui pas dans volonté bon Dieu. Eh bien récit ça et il présente nous un tromperie omniprésente mais il présente nous aussi des actes de bonté et de grâce. Qui ça indique nous sur la nature humaine? Qui ça histoire ça montre nous sur comment l'homme y est en général? Eh bien moi qui tout pour capable réfléchir sur question ça pour même monde qui prêcher l'évangile là. Même moun ka conseillé là pour pas faire ça qui mal là même lui même tout li capable briver non moment même ça le tab dou pas faire li que t'a pas faire vraiment mais il fait un autre erreur et ça fait moi même ensemble avec vous si nous gagne un monde pour nous suivre si nous gagne aide pour nous suivre si nous gagne personnage pour nous suivre eh bien c'est pas être humain même bien ensemble avec vous eh bien c'est bon Dieu c'est Christ pour que nous capable suivre parce que si nous suivons Christ, nous ne pouvons pas bien déçus. Mais si nous suivons moi, si nous avons comme modèle, ça ne va pas arriver ou déçu une fois. Mais si nous avons Christ comme modèle, nous ne pouvons pas déçus dans la vie parce que Christ n'est pas bien la caille, ça nous est un marque d'imperfection. Le viol de Dina, c'était partie des choses que nous avons appris ensemble aujourd'hui. Bien avant même que nous allions, nous prions bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables de mettre parole sur une application. Et tirer profit là-dedans, il va venir nous battre comme des bons et des fidèles serviteurs. Bénis-nous, dirigez-nous, sauvez-nous, que la soirée soit sur nous de Jésus.